Ces infos via la c'est pas PPD, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. pour' c'est les actus de peur. Les amis, on part d'entrée de jeu, on va parler musique, on va parler concert. Boum. <laughs> Vous connaissez j'imagine, Beyoncé <laughs> ouais, autour, autour, de, autour de la table, ça va. Beyoncé, on est bien. Elle est de retour avec une tournée mondiale là prochainement, euh, un peu partout aussi. Bah du coup, en France, euh, je crois que c'est en mai prochain, justement qu'elle passe. On le voit vendredi 26 mai, notamment au Stade de France et euh, vendredi dernier. Donc ça a été la guerre sur les réseaux pour pouvoir avoir Why euh, les les. les les préventes, exactement, ouais. donc, qui ont été pris d'assaut euh, par les milliers de fans. En te baladant sur Twitter derrière, tu tombais bah, sur des petites captures d'écran euh, où il y a des files d'attente avec donc, plus de 300 000 personnes oh euh, qui, euh, qui attendent oh, pour dingue. acheter un ticket, ce qui est quand même assez fou. Euh, forcément, il y a eu beaucoup, beaucoup de déçus euh, qui ont retenté donc, leur chance ce matin à 10 h. C'était à, euh, à peu près la même chose, même si ce matin, justement, ça, ça, ça s'est un peu mieux passé. Et euh, la vente de place, ça se passe sur un site que vous connaissez sûrement, qui est à l'écran, qui est donc Ticket Master. Euh, et ce soir, on va s'y intéresser à Ticketmaster euh, parce que c'est pas la première fois qu'on entend énormément parler euh, de, bah, de ce fameux site Ticketmaster aux États-Unis. Euh, c'est devenu justement tellement tentaculaire en mode monopole intégral que ça en est problématique et le Congrès est en train de s'y intéresser de très très près pour tenter de les arrêter. Euh, récemment, donc c'était en novembre 2022, il euh, y avait eu un gros gros événement avec Taylor Swift euh, qui donc euh, bah, du coup elle a sorti son nouvel album. Euh, au bout d'un mois, donc elle annonce classique, c'est du Taylor Swift, grande star internationale, une tournée euh, mondia mondiale, énorme, énorme tournée, euh, un peu de la même manière que Beyoncé, du coup, euh, elle s'est retrouvée donc avec les dates annoncées, tout un système de pré-vente réservé euh, aux fans, avec aussi tout un côté accès privilégié aux tickets, sauf que là… Le truc de Taylor Swift, c'est parti en fiasco total. Là, c'était euh, un peu incontrôlable. Les témoignages se sont enchaînés. Je ne sais pas si vous aviez suivi novembre-décembre, euh, c'était en top tendance, mais à base de, euh, de 400-500 000 tweets, c'était vraiment ouais, un délire. Tu pas réussi à avoir de place. Ouais. Pas, bah, tu tu m'étonnes comme beaucoup d'autres. Hein, ouais. Parce que, euh, voilà, donc file d'attente interminable, tout le monde fait le constat, il bah, n'y a plus de place. Qu'est-ce qui a pu se passer Ils ont estimé à 3,5 milliards le nombre de requêtes pour accéder à la prévente. Donc, forcément, record absolu. Hein, on le voit le moment où ça pète. La défense de Ticketmaster, de leur côté, ça a été de déclarer que des bots, ils ont massivement attaqué le site internet, ce qui a donc bah, pour impact de fragiliser le système interne, qui euh, donc du coup euh, les avait contraints d'annuler la vente classique. Euh, en fait, le, le truc, c'est que Ticketmaster, et, et, et notamment aux États-Unis, font souvent appel euh, en fait à des prix euh, dynamiques. Donc, c'est pas comme des prix fixes. Nous en France, on a le délire de catégorie 3, je dis une connerie, oui. tu payes 40 balles, catégorie 2, 65, et catégorie 1, c'est 100 balles. Aux États-Unis, c'est. Euh, la main invisible qui fixe les prix, c'est l'offre de la loi et la demande. Donc forcément, plus il y a de gens qui sont intéressés, un peu comme le, les tickets d'avion. Tu sais, quand tu réserves, si tu repasses avec les cookies, etc. Le truc a pris 50 ah. balles. C'est pas censé interdit ça en France. En France, c'est interdit. Nous, euh, je vais en, en parler juste après. Mais euh, aux états unis eux, c'est... Oui. Bah, euh, <laughs> plus il y a de gens, plus euh, peut-être on va pouvoir vendre, euh, vendre cher. Ce qui fait que forcément... Certaines personnes, elles ont dû se, bah, se tourner vers euh, des sites de, de revente. On le voit ici, il euh, y a des gens qui ont payé une fortune, 28 000 balles, euh, pour pouvoir avoir un seul ticket. Donc euh, un beau ticket, hein, 28, 000, 28, 000, 28 000 balles. 28 000 balles, c'est cher pour euh, même, ah, regarder Taylor Swift. Bah, pour Taylor faut Taylor beaucoup l'aimer, ouais. quoi. Faut beaucoup ouais, elle, elle performe super bien sur scène, hein, pourtant. Mais c'est vrai que 28 000, euh, bon, ça commence à être... Euh, euh, des, prix, des prix assez solides euh, et bah, Ticketmaster, hein, vous, vous doutez bien que juste c'est pas en mode euh, la place elle était à 300 balles, c'est parti sur un, sur un site de, euh, de vente de tickets. Ils ont tout un système donc de revente intégrée, comme je vous le disais, le truc est vraiment tentaculaire. Par exemple, on a pris l'exemple du Super Bowl qui, euh, qui va arriver. Euh, nous en France, donc bah, pour éviter de, euh, les arnaques et de payer plus cher. Euh, Justement, le truc, le truc est capé. Là, aux États-Unis, euh, en fait, tu a peux pas justement. De plafond. Exactement, il n'y a pas de plafond et tu peux revendre. Donc du coup, euh, un peu en boucle. Nous, ce que je disais, c'est que tu es sur ticket swap. Oh T'as acheté t es, t es <laughs> de plus en plus rouge. Montre on un petit coup, point est rougeur. Le coup est <laughs> mais c'est vrai que c'est par petite plaque, C'est ça le danger. <laughs> mais, mais bois de l'eau, poule. Bois de ouais, 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 ouais. Mais tu te sens bien en vrai, sinon. Nickel. <laughs> On a des pansements à laquelle on nous dit il a pas Pour mettre sur ma peau bah, si ça peine, <laughs> <si ça pète, rire> on, pourra, on pourra couvrir. Euh, pardon. Euh, pardon. Non, mais du, du coup, là, là, là je vous disais, 4600 balles, donc du coup la place de, de, de Super Bowl. Tu te dis bon déjà c'est déconnant, sauf que c'est pas tout. En fait, par-dessus, ils ont des, des frais. Et les frais de Ticketmaster, c'est pas rien. Puisqu'ils ont 1058 balles de frais. Donc en gros, tu pensais acheter ta place 4600, tu la payes en vrai 5660. Donc c'est un peu la spéciale de Ticketmaster. Aller foutre des, euh, des frais partout. C'est quasiment devenu justement un mème sur Twitter euh, où tu le voyais. Euh, tu, tu voyais des trucs, bah justement, ça te paye euh, 40 balles et en plus, tu as, as des frais absolument partout pour bah justement augmenter le prix, pour prendre de plus en plus de, de sous. En 2018, il y avait un média canadien qui avait expliqué euh, justement comment ça fonctionnait en fait et mis en avant les accords commerciaux avec les tickets scalpers donc ceux qui récupèrent euh, les tickets ou bah, justement il y avait des accords donc, entre les revendeurs et ticketmaster pour pouvoir acheter donc bah, mmh. ces, euh, ces tickets à prix d'or et le truc c'est que en fait comme quoi qu'il arrive le, le billet va être revendu ensuite sur Ticketmaster. Ils s'en foutent de Ticketmaster puisque comme les frais sont proportionnels au prix, ils font gonfler quoi. Ils font gonfler. Ouais, ils ouais. sont en mode, si le truc il part à 30 000 balles, on va se faire 20 de frais par dessus. Let's go, c'est vraiment plus intéressant pour nous. Donc c'est tout bénéfice C'est pour ça qu'en ce moment euh, la justice américaine ouais. euh, est dessus et se dit euh, là, ça va pas. Hop, parce, es que, ouais, parce que parce que d'un côté, euh, bah justement, c'est la merde pour les clients. Mais aussi de l'autre côté, euh, c'est lors de l'audition au Congrès, il y a un artiste, Clyde Lawrence, euh, qui est venu expliquer à quel point bah, c'est un enfer financier aussi bah, pour les petits artistes, sur une place vendue 42 dollars. Le profit de l'artiste, c'est de l'ordre de 5 mmh. dollars. Euh, je sais pas. Il euh, euh, y a des documents, justement, qu'ils ont montré parce que c'est les spécialistes des frais, mais ils sont aussi un peu en toute option. Donc, en fait, ils te font plein de choses à base de catering. Donc, euh, c'est tout ce qui va être restauration, etc. Euh, c'est un peu leur business model, quoi, d'aller mettre plein d'options que, que les gens vont prendre. Ils facturent, euh, typiquement, il y a Towel, c'est 250 balles de serviettes donc euh, c'est à dire qu'on est quand même sur, sur un beau budget serviette quoi et ensuite c'est un, bah, un package un peu complet en fonction de ce que tu as pris euh, ou derrière ils vont remettre des frais par dessus ce qui fait que ça va, coûter, euh, ça va coûter forcément hyper cher pour se gaver un peu sur toutes les lignes donc, euh, donc là la question c'est un peu bah, pourquoi est-ce que euh, ça continue de passer par Ticketmaster si euh, c'est la merde, ça fonctionne pas bien tu peux pas avoir ta place et que derrière bah, au congrès américain euh, ça continue enfin euh, c'est la crise euh, tout simplement parce que derrière c'est Live Nation Putain, j'en étais sûr que ça allait être un bis avec des tourneurs ou un truc ah bah, comme ça. bah, c'est non, mais en fait, c'est le propriétaire de Ticketmaster, donc plus gros promoteur de concerts ouais, au ouais. monde. Euh, la majorité des gros concerts, dès que c'est des stars internationales, etc., généralement, euh, ils sont derrière et euh, bah, en fait, tu vas passer par, euh, par leur système. Euh, ils sont propriétaires d'un peu plus de 200 salles de spectacles un peu partout dans le monde et ensuite, bah, la billetterie doit forcément passer par leur service. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt vénère. Donc... Le truc, c'est aux États-Unis, on a la chance, nous en France, d'être quand même un peu protégé. On a la loi euh, depuis juin 1919. Il est interdit de revendre une place de spectacle plus chère que sa valeur originale. Oui, bon ça. Euh... Oui. Alors entre entre voilà donc forcément légalement, il y a. quoi c'est interdit de le faire oui, De quoi C'est interdit légalement. De oui c'est ça. Mais ce qui permet enfin ce qui permet au moins de mettre un certain oui. cadre aux différentes enfin sur les différentes plateformes etc pour on le sait bien sûr que derrière, il y a des places qui sont, euh, qui sont revendues. Mais au moins, tu pas spécialement une entreprise qui en profite pour faire tout un, tout un business, tout un, tout un monopole. Euh, les, au début, c'était donc du coup que euh, sur le théâtre. Et ensuite, ça a été étendu à toutes les manifestations culturelles, depuis 2012 en l'occurrence. Euh, on a tout un truc aussi sur l'affichage des prix qui doit être clair, justement ouais. comme je vous le disais, avec catégorie 3, catégorie 2 et tout. Euh, et derrière, il bah, y a aussi l'Union européenne euh, qui, malgré tout, on en parle beaucoup, euh, bah, justement, essaye quand même de lutter activement euh, contre les monopoles, typiquement les Facebook, enfin, méta qui se font qui prennent souvent des amendes alors ils n'arrivent pas non plus à, à, à dissoudre l'intégralité mais au moins à essayer de pénaliser typiquement on avait beaucoup parlé de Xbox Activision Blizzard bah, l'Union européenne qui met des bâtons parce qu'on mm. est clairement sur une situation de, de monopole mais je voulais juste voilà vous vous parler un peu de ça parce que ça fait énormément de bruit outre-Atlantique euh, où c'est vraiment bah, juste terrible parce que bah, comme d'hab les fans se retrouvent en fait euh, où tu te tu peux plus jamais aller voir euh, aller voir comment s'appelle bah, l'artiste que t'aimes ça coûte hyper cher nous on est un peu protégés mais malgré tout bon bah parfois tout ce qui est file d'attente et tout ça reste compliqué quoi ils font pas exprès c'est c'est tu vois ticket master ils font pas exprès par exemple de parce qu'ils ont dit qu'ils s'étaient pris une attaque de bots machin qu'il y avait beaucoup ils font pas exprès à un moment donné d'envoyer eux des bots et de gonfler la file d'attente pour créer une demande il n'y a pas un bail comme ça 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 a jamais été prouvé mais ça fait partie des théories ou ouais, ouais. du coup ils disent bah en fait c'est ce même truc de à partir du moment où où tout est censé repasser par eux, tout va être vendu bah, ils ont des accords avec les revendeurs, eux, ils sont garantis de, leur, de leurs frais. Je suis désolé, parce que je vois dans le chat, il y, y, y a un gars qui disait, je suis en train de crever, ils s'en foutent, et c'est chez Poulpe, je crois que c'est la chaîne Twitch de Poulpe qui... Quoi <laughs> euh, De quoi tu... <laughs> Tout va bien <laughs> Ouais, nickel. <laughs> non, j'ai cru qu'il y a quelqu'un qui allait pas bien dans l'émission, ça m'a fait peur, là, l'espace d'un... Il va bien, <laughs> il, va bien <laughs> il va bien, il va bien. Heureusement, tout le monde est en bonne santé autour de la table, donc euh, aucun problème à ce niveau. On a quand même, <laughs> même de la chance d'être protégé en France par ouais. rapport à ça, tu vois. En donc, vrai, c'est <laughs> <ça se fait rire> horrible. <laughs> non, non, c'est vrai, non, non, mais en vrai. Non, mais vrai quand tu vois les prizes là, tu te dis, mais c'est... Horrible, pour le, parce que bah. as des gens qui n'ont pas forcément de la thune, qui ont quand même le droit d'aller voir des concerts, tu vois, c'est... Bah ouais, ouais, et le truc, ça, ça fait monter, donc c'est vrai que ça, c'est ouais. pour le coup plutôt un truc de de, de petite protection, voilà, qui... qui et, les, plus... et les billets sont déjà, à la base, assez chers, quand même, ouais. pour le... Pour le... Faut le dire, tu vois, Une ah star des... américaine qui va ah oui, le France. star américaine en France, c'est hyper, hyper, ouais, ouais, hyper cher, bien sûr. Non, mais mais, mais clairement, euh, deuxième petite actu, un peu détendre l'atmosphère. Euh, je vous emmène là vraiment au grand air. Je sais que ça te fait plaisir. <laughs> imaginez, suis... imaginez ouais, de l'air de là, <laughs> direction l'Everest. Okay. Ah. On part l'Everest, découverte scientifique hors du commun. Euh, l'altitude du mont Everest. Au plus proche ici, vous savez beaucoup. 40 euros. Beaucoup, 40 euros, <laughs> ça. ça euh, vrai, est... On est vraiment pas loin, les deux, là, <laughs> entre beaucoup et 40 euros. 8, bon, 8, euh... on... 7, 8 600, 400 et quelques. C'est 8000, tu pas loin du tout, c'est 8849 mètres d'altitude. Oh, C'était bien quand même, Sans Non, oui. <laughs> oui. À 200 mètres, honnêtement, euh, euh, ça passe. L'histoire, elle commence en 2019. C'est un voyage euh, d'une expédition scientifique euh, direction le toit du monde. C'est National Geographic qui, euh, qui, euh, qui fait ça. Euh, donc, du coup, voilà, bah, justement, l'objectif, c'est avec des scientifiques de pouvoir essayer de découvrir des choses, des petits prélèvements euh, et en même temps euh, aller, aller prendre des images. Une fois de retour, du coup, euh, un ou deux ans plus tard, dans les labos, les scientifiques, ils analysent donc génétiquement les traces qui ont été laissées par un animal mystérieux dont ils n'avaient pas spécialement la connaissance. Ils se sont posés un peu la, la, la question, c'est pas une vanne hein. non, non, mais je sens la blague arriver. <laughs> non, non, mais bah, c'est une vraie info. Mais du coup, après des semaines d'analyse, ils ont euh, découvert la présence. C'était de... Michel. Il <laughs> passait en fait tous les soirs et Michel revenait. Bah, c'est Michou. Quoi. De, euh, de chats rarissimes. Oh. Ah oui, 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 il y a trois wow. chats, euh, oui. Exactement. Alors, eux, ils ne sont pas tout en haut à 8800, ils ah. sont environ aux 5000 mètres d'altitude. Oh, ça s'appelle ça... les trois, Chats de Palace. Ça ça, ch... y il y en a genre deux. Trois. Il y en a Avec... Les Chats de Palace, voilà. Du coup, euh, euh, apparemment, ils perdent aussi, mais voilà, hein, c'est un animal euh, sauvage, indomptable. Euh, il est capab... magnifique. Ah, ah, c'est vraiment mais capable quoi, il a, de survivre à moins 50. Il n'y a que deux bah, ils, en ont, ils en avaient vu deux, mais ils doivent ah oui, être mais... plus. Mais en tout cas, ils avaient pris euh, la trace de Oh, deux. le king, as, il a pas l'air cool. Hein. Tu sens qu'il est à moins 50. <rire> <rire> tu sens que... ouais, Pokémon, Je pense qu'il est gigadou, par contre. Ah bah, Je pense qu'il est gigadou. Mais, euh, mais voilà, et, et l'animal oh, bon. euh, En plus mignon, en plus p'ti... enfin pas mignon, mais en... Un petit peu On dirait euh, une espèce un d'écureuil Il y a un mélange de queue d'écureuil. Le de... euh... oh, bon, les, les patounes ils sont quand même mignons et du coup euh, bah, la mauvaise, news, que, la mauvaise news pardon c'est qu'ils sont en voie de disparition parce que leur état est progresse ah, ben effectivement oh, oui. ils sont au mont everest euh... ils sont ouais, 50 que 000. 000 sur terre non parce qu'il y en a là haut justement au mont everest mais ils sont pas que là hein. c'est pas euh, mais mais l'altitude c'est vrai qu'ils aiment bien euh, Noyés dans la masse de 400 millions de chats sur terre il y a beaucoup de chats hein. Voilà. Ah ouais, fin d'actu. Petite stat, petite actu, Un petit un fun fact. Petit Et ça mange quoi Petit félin. Bah écoute, j'ai pas le Du Oui, En fait, ça, ça dépend vraiment en termes de variété. <laughs> <Les nationales>. <rire> <Quelle> <rire> croquettes, du croquette, du whiskas. Ouais. Vraiment, c'est. Ce qui pousse sur les arbres en Everest. Hein. Beaucoup, beaucoup de protéines. Mais ouais. du coup, non, j'avais envie de. de...